Bonjour. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu mon show Apprendre à s'aimer, qui est d'ailleurs disponible sur Vimeo, si jamais ça vous intéresse, ben, spoiler, à un moment donné, ce bonhomme-là dans mon show, c'est un bonhomme qui dit constamment, il ne fait que dire rap, je sais pas c'est quoi son problème, il ne dit que rap, il ne fait que ça, c'est borderline insupportable, il ne dit que ça, je sais pas en quoi ça le défoule de dire. Mais visiblement, salle des foules, de dire rap. Donc, c'est ça. Et Mike Ward, mon ami, c'est son numéro préféré dans mon show, Le Bonhomme qui dit. Donc, vu qu'il est en nomination pour l'Olivier de l'année ce dimanche, je vous invite à aller voter pour lui, d'ailleurs, c'est bien important. Et aussi pour le remercier de faire le podcast En route vers Survivor avec moi, où il m'aide à pratiquer mon anglais, ben, je lui fais un petit numéro qui implique le bonhomme qui fait pour lui faire plaisir. Donc, j'ai écrit un petit texte ici, je vais vous lire, ça va comme suit. Donc, Mike Ward, c'est un gars vissant. Il est aussi très pide sur la gâchette en humour, pas pide sur la gâchette avec une K. Bin, car Mike Ward n'a pas de K. Bin, à ma connaissance, par contre, il est vegan, alors il ne mange pas de goût de boulette, ni de violi au K. Bleh. La fin, c'est plus tough, hein, du violi au K. Bleh. Ravioli au crabe, c'est quand même une belle twist, je trouve. Fait que c'est ça, moi je suis pas vegan, je mange beaucoup de caramel écossais. Ah, c'est bon. Puis j'adore le film Pi des Caib. Bon, ça c'est, on a compris. Donc c'est ça, allez voter pour Mike, allez écouter En route vers Survivor, allez écouter mon show sur Vimeo. C'est vraiment beaucoup d'ordre que je vous donne, c'est vraiment multitâche ce vidéo-là. Donc je vous souhaite sur ça une bonne fin d'année. Oh non, Chris Leroy, ça vaut aucun esti de rapport de la fin, je l'ai botché.